Oh, il va prendre cher. Oh. Oh non. Ok, salut à tous, vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc troisième session de la journée pour moi. Les conditions sont vraiment graves aujourd'hui. On est toujours sur Osgore, on va sûrement surfer à la gravière encore. Y'a que moi qui vais me mettre à l'eau. Titon va essayer de me filmer de la plage. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop s'il y a du monde, j'ai pas rechecké, j'ai surfé il y a à peine 2 heures. Et pour le coup, j'aurais peut-être dû rechecker. On est arrivé sur le spot là où il était rentré d'un coup. C'était énorme. J'avais jamais surfé aussi gros. C'était dans le short break. Il y avait 3 mecs. Et puis il y avait un autre pic à droite où là c'était beaucoup plus gros et pas du tout de mon niveau. J'ai passé la session à me chier dessus. J'ai pris quelques vagues. C'était pas une session de ouf. Je suis parti sur aucune bombe. J'ai fait pas mal de refus. Et puis toutes les vagues presque, il y avait des doubles vagues. Donc quand tu tombais, tu allais faire des grosses apnées. T'avais la deuxième vague qui tombait dessus direct. Donc c'était vraiment vraiment compliqué. La seule bonne vague que j'ai prise, la GoPro a planté et Titouan au bord a pas réussi à bien la filmer. Mais bon, vous aurez genre 3 secondes de la vague. Sinon la session était grave, de toute façon on verrait bien comment elle a fini. Bon allez, je vous laisse. Donc c'était vraiment grave, donc là j'espère que ça va pas avoir trop bougé. Je vais me surfer une petite heure parce que je suis vraiment mort. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo à l'arrache. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à tout de suite dans l'eau. Allez, c'est parti. Bring the vibes here. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be blinded by the lights. J'arrive pas à passer, j'attends la fin de la série. Depuis une demi-heure, ça s'arrête pas, c'est énorme. C'est galère, c'est sur patte, hein. Je pense que je vais pas rester longtemps. Ah, j'ai jamais surfé aussi bon. Oh, il va prendre cher. Oh. Oh non. Non. Oh merde.
avait bien vécu en même temps. Je pensais, j'étais sûr que j'allais la péter pendant le trip. Je l'utilisais exprès pour la finir. Elle était morte, elle prenait l'eau de partout. C'était un peu un déchet, mais bon, ça fait chier quand même, quoi. We for the life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights. Ok, du coup je viens de terminer le montage de la session que vous venez de voir, donc je vais débriefer 2 secondes avec vous, je me suis rendu compte que je l'avais pas fait pendant la session. C'est mon ancienne planche que j'ai pété en deux, je l'utilisais exprès, pendant tout le trip je l'ai utilisé parce que je me doutais qu'elle allait péter un moment. Je l'avais bien poncée, ça faisait déjà 3 ans que je l'avais, je l'avais déjà acheté d'occasion, donc elle a bien servi. Elle prenait l'eau à plusieurs endroits, je voulais pas la réparer parce que ça m'aurait coûté plus cher que ce que je l'avais acheté de base, je l'avais déjà réparé 1 ou 2 fois. Elle avait beaucoup d'impact, beaucoup de poc. Et puis même depuis la dernière fois que j'avais été à Osgore, il y a une fissure qui est apparue au niveau du tail. Du coup je pensais qu'elle allait péter là, mais au final elle a complètement pété au milieu. Donc bon, c'est relou, mais bon, je m'y attendais un peu. J'ai pris cette planche exprès pour pas risquer d'abîmer ma nouvelle qui est là. Et du coup j'ai pris une vague, en fait ça faisait 20 minutes que j'arrivais pas à prendre de vague. Je commençais à être frustré, puis je commençais à être fatigué avec le courant et tout, je voulais sortir. J'ai pris une vague qui était petite. Sauf que en fait c'était une double vague, je l'avais vu que derrière il y avait une autre vague, sauf que je pensais pas qu'elle était aussi grosse. J'étais direct au take-off, parce que du coup la deuxième vague m'a pété dessus, pile à l'impact. J'ai enlevé la GoPro de la bouche parce que je me suis douté que j'allais bien bouffer. J'ai pris une sacrée impact, je suis monté à la surface et puis là du coup ma planche avait pété en deux. Donc à mon avis c'est la lèvre qui a pété en plein sur la planche. On peut voir sur les images que vraiment ma planche elle est pile à l'impact de la deuxième. Donc ouais bon, c'est le jeu. Ça fait un peu chier, mais bon, elle aura bien vécu. Puis maintenant j'ai celle-là, je vais pouvoir surfer celle-là. Bon, du coup, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Je vais vous laisser avec quelques images, une compilation des meilleures vagues que j'ai prises avec cette planche. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. À me rejoindre sur Instagram, c'est kien.mm. Ceux qui me suivaient déjà sur Instagram, vous étiez au courant. J'avais mis des stories le jour où je l'ai pété, ça datait du coup d'il y a un bon mois et demi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, comme ça vous serez au courant de tout. Sur ce, je vous laisse avec les images. Allez, ciao! You lullaby. I'm doing me, it's do or die. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night.